Et salut à toutes et à tous, c'est Akatsuki, on se retrouve pour une nouvelle découverte sur la chaîne. Cette fois, ce sera la démo de Crystalla, un Souls-like type où on va jouer un petit chat. Enfin, un petit chat, un gros chat. Un gros chat qui va défoncer les culs. Le jeu est développé et édité par Astral Clock Tower Studios, prévu pour le quatrième trimestre 2024, donc dans un an. Dans un très loin, donc il y a encore beaucoup de développement à faire. Nous n'avons pas encore de prix, vous voyez qu'il y a un petit Kickstarter en cours, vous pouvez les retrouver. Nous, on y va, tous les liens seront dans la description évidemment. C'est parti, faisons un new game. All Right Reserve, oui, Unreal Engine, c'est fait sous Unreal Engine. Est-ce qu'il y aurait une exclue épique? Je ne sais pas. Alors, le jeu est en épique, hein, évidemment. Alors, on peut sauter. On a une esquive, ok. On a une double esquive, ok. On peut taper, se mettre en défense. Ok, une attaque féroce et apparemment là on aura des skills. Très bien. On rappelle, hein, ce sont des... Le français est annoncé. I am Atreus Stone, leader of the Ruxaka, and bearer of the sacred task before you. Now is the time for you to begin your Ruxaka proving. Travel throughout the clans, complete the challenges set out before you, and prove yourself worthy to join the ranks of the great Ruxaka warriors. Challenges can take many forms and will require strength of character as much as strength of arm to complete. Bring caution, creativity, and empathy along on your journey. And, well, you may well change the world someday. Regardez, on peut aussi faire un double pas arrière qui fait une petite pirouette cacahuète. Franchement, en vrai, les animations pour le moment elles sont pas dégueulasses. Alors qu'est-ce qu'on a? Ok, on a de l'équipement. Ok, en 4 pièces, bon ça on connaît. Ah, apparemment c'est épée bouclier. D'accord, on peut avoir apparemment deux armes. Il y a un troisième truc. Là, des accessoires. Donc une fiole. On a l'impression. Quatre trucs. Quatre anneaux. Très bien. Et des consommables. Lightning Shroom. Est-ce qu'on sait à quoi ça sert? Switch caractère info. Ok. 0 sur 8 en vitalité. Ça veut dire qu'on pourrait prendre que 8 points de vitalité. Je ne sais pas. Interact with a crystal checkpoint to activate it. Très bien. C'est le feu. Ok, donc là on peut changer nos stats. Ok. Ça coûte 500. Ok. Préparation coming soon, c'est toujours pas. Spécial tri, ok, donc on aura un arbre de compétences, le féline, d'accord, on aura des sorts et des trucs de félin et le fast travel, très bien. Bon. Voyons voir, ce sont des méchants ça, je ne peux pas les cibler. Ah oui, parce que ce sont des images, très bien. Press to block, to lock, ah oui. Oui. Ah, on voit leurs stats maintenant. Très bien, on voit les stats de dégâts. 296 pour l'attaque grosse. LT plus X. Ok. Très bien. Double dash to dodge. Oui, mais ça on avait vu. Ok, healing potion c'est vers le bas, consume mana, d'accord.
J'aimerais bien me faire taper. Tape-moi, s'il te plaît. Je perds pas de vie en bouclier. Oh, nice! D'accord. On peut donc faire des esquives, des parades parfaites pile au moment où on va nous taper. Très bien. Où est mon mana par contre? Open inventory, oui, oui. Ah d'accord, mon mana est en bas. Est-ce qu'il se régénère tout seul ou est-ce que c'est en tuant des ennemis que ça se régénère? Excusez-moi, hein, j'apprends à jouer. On peut taper plusieurs ennemis. Ah, c'est peut-être en tapant... Ah d'accord, c'est en tapant les gens qu'on régénère le mana, d'accord. Ok, donc il faut être relativement agressif. Ok, ok, ok. Jump, oui. Oh, on grimpe tout seul. To light up dark area with... Quoi ? J'ai pas... Ah ! Peut-être que c'est un objet que j'ai récupéré. Ah, Shard of Reneval, Minor Gift, Lighty Shruna. To light up... Ça. Ok. Il faut peut-être le mettre là. Comment on fait des consommables? Ah d'accord, on a deux... D'accord. On a deux... Avec X, on change les barres d'action, d'accord. Donc j'ai une petite lampe, très bien. Ok. Oh merde, je suis tombé. J'ai choix. J'ai chu. Ok, bon. Pour le moment, c'est agréable. Ah, on peut courir sur les petites cordes, d'accord. Jump over. Ok. Ah d'accord, il y a des... D'accord, quand on a le point rouge, on fait une attaque sautée. Spend mana to use powerful weapon ability LTRB, LTRT. D'accord. Alors, qu'est-ce que ça donne? Hein? Ça ne marche pas. D'accord. Ah oui. D'accord, ok. Où est mon... Où sont mes âmes? 200 en haut, d'accord. Ah, ça utilise beaucoup de mana, par contre. Faut le savoir. Non, c'est cette touche-là. Je me suis trompé de touche. Ok, donc quand on peut pas utiliser les compétences, elles deviennent rouges. Très bien. Je ne sais pas ce que ça fait de baisser leur barre d'esquive, leur barre verte, là. On voit que quand je les tape, ça baisse leur barre, mais on les tue avant de baisser leur barre. Est-ce qu'on peut se battre sans armes? Bonne question. Apparemment, non. Enfin, apparemment, oui, mais non. Enfin, je sais pas. C'est bizarre. Rappel, hein, c'est une démo. Le jeu sort dans plus d'un an. Mais, enfin, estimé. Hein. C'est quoi ce machin? Mais il me tire dessus? Saloperie. Je vais me soigner. Mais... Non, non, non. Ok. Ok, toi t'es un vivant ou non? Ok. C'est qui lui? Un homme poisson! Ah, il a que... Aïe! Il fait mal. Il fait des dégâts. Olé! Ok. Donc il y aura des gros ennemis. Tels les Dark Souls. Allez, meurs. Ok. Pour le moment, j'ai pas de loot sur les ennemis. Gift of Allure. Très bien. Alors, est-ce que... Ah, je peux monter sur les cordes. Très bien. Ça fait quoi de monter ici? Je ne sais pas. Oh. Major Gift of Allure. Onward Fortune Part 1. Très bien. Oui, je parle très bien anglais. Oui, oui, vous le savez. Ok, et on peut revenir là. D'accord. Ok. Donc il y aura plusieurs, il y aura des trucs secrets dans le jeu, très bien.
On n'est pas obligé de faire. Ok. Alors, est-ce que ça me donne du mana de taper les petites... non, les statues comme ça me donne rien. Très bien. Located from the other side. On va pouvoir sauter quelque part ici. Ah, bien vu. Bien vu. Donc ça va être un jeu assez assez sur les axé sur les sauts. Je n'ai pas le prix du jeu All to Block, oui. Ok, ouais, d'accord. Comme quand on enlève leur barre, ça les stun. Très bien, c'est logique, hein. Go to equipment ou change armor. Ah, nouvelle armure. Ok, on voit pas les stats tout de suite. Non, on voit pas les stats comme dans un Dark Souls avec le vert et le... Mais bon. La physique de la cape, ça donne quoi? Ça a l'air d'aller. Voilà. Ok. Block right before attack. Oui. On l'avait vu ça. Ah d'accord, c'est pour faire un front stab. Oui, logique. Ok. Oh, c'est quoi c'est cette touche là? Keep attaching, blocking. Olé! Aïe aïe. Quand ils sont plusieurs, c'est pas la même. Hein. Ok, récupère aussi eux. Pourquoi je peux pas garder? Je sais pas, je pouvais plus garder. J'appuyais sur le bouton et je prenais quand même les dégâts. Très bien. Pas très grave. On apprend à jouer. Alors, bon là on va passer à travers. Alors, on s'en fout. Hop. J'ai pas de stamina qui baisse quand je sprint apparemment. D'accord. Hein. Et j'ai été con, j'ai pas ouvert. Hop. Hop. Hop là. Ok, quand on spam attaque, au bout d'un moment, t'as une sorte de perfect guard de l'ennemi. C'est intéressant. On voit mes âmes. Ah, quand je prépare une attaque féroce, il... Allez. J'ai l'impression... Par contre, les soins reviennent, ça c'est bien. Alors... Est-ce qu'on peut, genre, faire un backstab? On n'a pas besoin d'appuyer sur une touche, ça se fait automatiquement. Ok, il y a le backstab. Très bien. Ah, si on fait pas un parfait bloc, on prend des dégâts un petit peu. D'accord. Ok. Un parfait bloc n'est pas si dur à obtenir. En tout cas sur ces ennemis là pour le moment. Mais c'est peut-être ce bouclier hein, qui fait que je prends quand même des dégâts. Vous le savez que dans les Souls, il y a des boucliers qui font que on prend des dégâts et d'autres qui font qu'on ne prenne pas de dégâts. Ok, des nouveaux gants. On va regarder ça. Assigne consommable item. Très bien. Alors, c'est quoi que j'ai eu en consommable?
Antidote. Ok, ça pue le poison, très bien. On voit le petit point jaune, vert jaune là. Quand on a un nouvel objet, c'est pas si mal. Some enemy, spécial attaque, by a flash yellow. Ah, donc il y aura des attaques normales. On fait ce qu'on veut. Yellow attack must be deflected or dodged. Donc certainement perfect deflected. Et les rouges, seulement dodged. Ok. Ok. Ma vie. Merci. Ok. Et il faisait très très mal. Alors, pour le moment en tout cas, on rappelle, le jeu sort dans un an. Il n'y a pas beaucoup de feeling quand les ennemis me tapent ou que moi je les tape. Oh ! On peut... Oh, on peut faire ça. On peut se crouch. Très bien, maintenant le bouton de dodge. Et est-ce que se mettre là, ça fait qu'ils me voient pas du tout, les gens? Tous les silent stab. Ah d'accord, il y avait ces petits cons. Ok. Qui d'autre va se réveiller? Ah, il y a lui. Non. Heureusement que c'est le tuto, hein. Vaut mieux tuer lui. Il a un fusil, lui. Ok. Il y aura des mecs à fusil. Parce que... Ok. Je suis le petit chat. Alors, est-ce que ça va être un... Oh! Et un autre helmet. Est-ce que ça va être un jeu plus... Margen Loot Okari? Ok. Est-ce que ça va être un jeu plus dans la furtivité ou pas? Je ne sais pas, un peu à la Sekela. Ah, on pouvait passer par au-dessus, d'accord. Je vais mettre mon petit chapeau. Ah oui, non, mais là je suis un guerrier, là. Ça y est, je suis invincible. Lui, il est mort. Aïe! Ah, mais il peut se taper au corps à corps, petit salaud! Ok. Yup. Use the shard of renewal to return to the last crystal, d'accord. Okay. Ça a sauté, hein. J'ai loupé. Et lui m'a pas entendu, donc tout va bien. Bon. Level up, ok, oui. Cup. Quota rapport, activat, interact. Très bien. Pour le moment, ok, je peux prendre deux niveaux. Je vais en prendre deux parce qu'on m'avait dit sur. Vous voyez? Ok. Serge mention, très bien. Et ça, comment je fais? Chris Perle, d'accord. Donc avec des Chris Perle, on va trouver ça. Et là, je peux me téléporter, c'est ça? Ok. On a le fast travel, très bien. Ok. Très bien. Ok. Petite chose. Vitality. Pardon. 0 sur 10 maintenant. Je sais pas pourquoi on me dit ça. Ok, la vitalité apparemment c'est un peu buggé. How to play. Non mais ça je sais. J'ai fait le tuto quoi. Allez, est parti. Spell are automatically equipped in the demo. D'accord. Donc on va avoir dans le jeu, on devrait équiper nos propres spells. Très bien. Ils sont nombreux. Est-ce que... Mais... Skaven de merde.
Allez, dégage. Ok. Il y a eu un bruit de serpent là, non? Ah. Ok. Ok. Ok, let's go. Ok, on peut open les portes, très bien. Est-ce que ça... Ah, ça va être un jeu fouillé, d'accord. À mon avis, il va bien falloir fouiller les maisons. Small antidote? Il y a des small et des grands? Intéressant. Certains poisons, il faudra d'autres poisons, peut-être. D'autres antidotes. Les small ou du grand, très bien. Très bien, très bien, très bien. C'est noté, c'est noté. Est-ce que là, il y a quelque chose à voler sur les toits, ici? Pas spécialement. Par contre, l'attaque aérienne est très dure à balancer. Au secours! Au secours! Est-ce qu'ils peuvent monter, eux? Est-ce que tu peux monter, espèce de sac à merde? Tu sais pas monter, tu sais pas monter. Enfin, lui, tu sais pas monter. Ah, il m'a oublié. Il sait pas que je suis là. D'accord. On voit pas. Pourquoi ça a pas fait l'attaque backstab? Il faut le viser peut-être. Allez, dégage. Faut peut-être les viser pour pouvoir faire un backstab. Ok. Maybe, hein, moi je ne sais pas, j'ai pas fait le jeu. Moi vous savez, moi je ne fais que les tester. Je ne les crée pas. Il y a un objet là-dedans. Il y a un objet là-dedans. Ok, il y a des petits cons. Le jeu a l'air agréable. Hein. Au niveau de la prise en main, ça va. Bonjour. Le mec a pas entendu que j'ouvrais la porte, très bien. Donc ils sont cons comme des cons, voilà. Ils sont cons et miro, tout va bien. Ok, beaucoup d'antidotes, ça me fait un peu peur. Je suis le petit chat. Ah ouais, il s'en bat complètement les couilles que son pote soit mort, quoi. Il y avait un mec planqué. Il est où? Allez, meurs. Ah, nice. Les toits. Moi j'aime bien les toits. Oula, 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 il y a du monde ici. Là, il y a des objets à aller chercher. Ok, les niveaux sont remplis d'ennemis, mais... Avec tous les trucs de... Voilà, on peut... Comme on peut passer par les toits pour les buter... Oh, un tireur là-bas. Allons le buter. Eh, il va se calmer, Jackie? D'accord, par contre, les autres s'en battent les couilles. Très bien. Ça, c'est intéressant. Alors, là, si je descends, je pourrais pas remonter. Intéressant. Oh, yes! Un leggings. Très bien. J'aime mettre des leggings. Ah oui! Par contre, est-ce qu'on a un système de poids? On voit bien qu'il y a du poids, 2, 6, 8, 7. Je ne vois pas... Euh...
Il y a peut-être pas encore hein, dans le jeu, mais il y aura, hein, ça c'est sûr. Bon écoute, bonjour, je ne suis pas là, c'est pas moi. Bonjour. Oula, il y a un gros. Il y a un gros méchant. Hop. Hop. Parce que pour le moment, vous êtes con, donc je vais jouer avec ça. Oh, ok. Pour le moment, les ennemis sont cons, donc on va jouer avec ça. Hein. Ils vont pas rester comme ça. Hein. Ça, c'est sûr que ça va pas rester comme ça. Hein. Au niveau de l'intelligence artificielle. Parce que là, on est sur l'intelligence artificielle. Là, très très artificielle. Hein. Là, on est sur l'intelligence très très artificielle. Donc c'est sûr que ça va pas rester comme ça. En tout cas, si l'IA reste comme ça, ce sera un jeu de merde. Mais elle restera pas comme ça, c'est pas possible. Ça, c'est impossible. Impossible. Impossible que l'IA reste dans cet état. C'est sûr. Il se suiciderait dans ces jeux compétitifs, hein, dans ces jeux qui demandent beaucoup de d'engagement des joueurs. S'il laisse une IA aussi médiocre, il se suicide, il se tire une balle dans le pied. Ok, j'ai un sort de soin apparemment. J'estime être un sort de soin. Réparer quelque chose, pour moi, ça fait... Ça sonne sort de soin. On va le tester très vite. Il manque des... Il manque de la vie, donc on va le tester tout de suite. Ah bah non. C'est une tornade. D'accord. Oula. Très très grosse baisse de framerate, je sais pas d'où ça vient. C'est quoi, c'est mon sort de vent qui a fait ça? J'espère pas, parce que... Ah, un peu ce... Ok, on peut se crouch ici. Ok, bon ça doit être là le mention. Ouais, ça a l'air d'être par là que ça bug un peu. Là, il y a une porte fermée. Oh, un ennemi. Ouais, c'est... Waouh. Elle est un peu dur à placer, l'attaque sautée. J'ai l'impression que c'est vraiment au moment où vous tombez, il faut appuyer sur le bouton d'attaque. Ouais, là on a une très très grosse baisse de framerate, je sais pas d'où ça vient. In full game, d'accord. Donc ça, ce sera pour plus tard. Très bien. Tatati tatouta. Là-bas, il y a des gens à tuer, on va aller passer par les toits. Le jeu a l'air quand même de bien tourner. On rappelle, c'est une démo. Le jeu sort dans un an, je ne le dirai jamais assez, je pense. Donc tout ça, tout ce que vous voyez là, c'est vraiment à prendre avec des pincettes. Même le niveau peut changer, le placement des ennemis, ça va vite à changer. Il y a l'air quand même d'avoir beaucoup d'ennemis. Attention avec les jeux avec beaucoup d'ennemis. Ça peut mal se passer avec les joueurs, suivant l'IA. On leur donne. Ok, je peux aller là. J'arrive pas encore à esquiver les tirs. Ok, ça sera. À mon avis, c'est pas là qu'on doit aller, mais je voudrais finir de fouiller le village. Il y a l'air d'encore avoir des choses à fouiller. Hop, meurs. Très bien. Oui, regardez, tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout que je tue des gens. Alors. Ça par contre, là on est d'accord que là je peux sauter et faire. Oui. Ok. Regardez. Ça, même en combat, ça se perd pas. Je perds pas d'endurance. Ça va être changé aussi, je pense. Dans ce genre de jeu, souvent, on perd de l'endurance. Ça fait quoi? Ah j'ai ça.
Oh oui, d'accord, ça fait une bombe, d'accord. Ça fait une marque au sol qui brûle les gens tant qu'ils approchent, d'accord. J'avais pas vu ce sort. Après, on m'avait dit que les sorts se mettaient tout seuls, mais je l'avais pas vu. Je croyais que je l'avais déjà. Ok. Très bien. Hop là. Oui, ça, on a déjà été. Petite ambiance quand même, là, dans le jeu. C'est pas... J'aime bien. Pour le moment, j'aime bien. J'aimerais bien comprendre c'est quoi... toutes ces statues là de rats ou je sais pas quoi là. L'histoire m'intrigue. Qu'est-ce qu'on fout là? Qu'est-ce qu'on est là? C'est une guerre entre qui et qui. Après on est d'un rakasha. Les rakashas c'est en Inde je crois. Si je dis pas de conneries. Un peu de bien des jeux sur des univers qu'on connaît pas trop. Je vais vérifier, mais pour moi c'est l'Inde, le rakasha. On pourrait aller par là, vers une très grande maison. Ok. On aura un boss de toute façon avant la fin du jeu, je pense, avant la fin de la démo. Voir un peu ce qu'ils peuvent nous proposer en termes de boss. Bonjour. Ah non. Lui, je veux le buter, mais d'en haut. Voilà, par exemple, ça, c'est clairement un truc que l'IA va... Que ça va être changé. Le mec, je suis devant lui, il bouge pas. Ça va être changé avec le comportement de l'IA, ça. Mais bon, là, je suis à 2 mètres de lui, le mec, il me voit pas. On est tous d'accord là-dessus, hein. Oula, il y en avait un autre que j'avais pas vu. Je suis dans la merde. Open? Open quoi? J'ai pas vu. Aïe aïe. Merde. Ok, on se... Merde. Ok. Non, c'est toi contre moi. Ok, ça dégage. Ok. Look at from the other side. D'accord. On va remonter par là. Et voilà, là j'aurais pu me barrer par ici et complètement squeeze le combat en repassant par les toits. Hein. C'est ça que je disais que l'IA allait être modifiée à mon avis. Ils peuvent pas la laisser comme ça, c'est pas possible. Voilà, lui là. Pourquoi il m'entend pas là? Il sert à rien le mec. Ça va être modifié ça, c'est obligé. Le jeu a l'air prometteur. Oh yes. Des nouveaux gantelets. C'est pareil, hein, cherchez pas, les armures elles vont changer de place, il y en aura moins. Il n'y a pas de... En tout cas, pour le moment dans les armures que j'ai, il n'y a pas de truc de set.
Blockade from the other side, donc il va falloir passer par là et sauter là, très bien. Il y avait un truc là-bas avec une grande maison. Il y avait un truc là-bas aussi. Ici. Hop. Et on pouvait aller là. Ouais, ok. Il y a lui qui va être chiant. Ça. Que c'est une portée. Il n'y a pas l'air. Ok. Lui est mort. Ok, alors à vous deux, bande de grognelles. Voilà, regardez, lui il attend son tour. Il attend son tour sagement. Deux contre un, c'est dur. Hein. Le tracking est violent. Tracking est un peu violent. Je dois l'admettre. Ah, les ennemis bougent pas. Oh bonjour. Les ennemis n'en ont rien à foutre. Que chaud là. Qu'est-ce qu'il fait? Ok, ça y est, lui il vient. Tire dessus là. Ah, il y en a un au-dessus. Je l'ai pas vu. Je le vois pas. Je ne peux pas le voir. Ok. Oui d'accord. Y'a un mec là. Ah merde. Pas du tout ce que je voulais, bon c'est pas grave. C'est ça. Le jeu manque encore beaucoup de travail. Est-ce qu'il est sorti trop tôt en démo? Peut-être, mais ils avaient peut-être besoin d'argent pour leur Kickstarter.
Et sur sa tête, très bien. Je ne saurais pas dire s'il est sorti trop tôt en démo. Ça va peut-être lui desservir. Oh! Nouveau helmet. Je suis le chat! En tout cas, la démo, il y a du contenu déjà. C'est déjà pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ça n'a pas l'air de continuer, hein. Ça a l'air d'être fermé ici. Très bien. Là, il y a un tireur. Merde. Ah, nos cristaux de mana reviennent aussi. Oh. C'est bien ça. Je vais où là? Ah, j'avais pas vu ce chemin. D'accord. Allez. Cristone... Ah, mais je suis au tout début du jeu, là. Envoie-moi au village. J'avais pas vu que les cristaux de mana revenaient aussi. Oh, souvent, ça revient pas, les cristaux de mana. Je vois rien. Je ne vois rien. Ah oui, c'est vrai qu'il y a ça. Je peux mettre la lumière dans le jeu, c'est vrai. On va aller jusque là où on était, en tuant peu de gens. Donc on a l'air de pouvoir tuer peu de personnes. Ça a l'air d'être assez facile de faire des infiltrations, en tout cas pour le moment. Après, l'IA est un peu conne, comme je le disais. C'est pas moi, je suis pas là. Ok. Déjà triché. Normal hein, dans ce genre de jeu. Et voilà. Merci. Par contre, il faut vraiment être sur... ces âmes là pour les ramasser. Ça dégage. Ok. Donc lui. Il est moins con.
Allez, dégage. Ça va mieux hein, quand on a plus de consommables quand même. Merde. Ok, ça c'est fait. Hop, ça, ça meurt. On peut pas pick up pendant le truc. C'est normal, hein, évidemment. Pendant l'animation. J'ai plus de mana et j'ai chopé une autre armure ici. Il va y avoir... Oh ! La clé, la seconde Westgate. Ok. Pourquoi pas ? Bon, ça, ça va être modifié évidemment. Dans le jeu final, c'est sûr. Hop. C'est surtout lui que je voulais buter, hein. Et toi t'es une petite merde. Toi je peux te tuer à travers le mur. L'autre il est trop fort pour le tuer à travers le mur. Voilà, là par exemple le tireur sert à rien. Là, normalement, le tireur, il aurait dû me tirer dessus quand j'étais au combat. Ok. Ah, bah, j'ai tout le Kaorzan, voilà. Mais j'ai pas de... J'ai plus de cap. J'ai moins de classe. J'ai moins de... De style. J'ai 3800. On va monter quelques niveaux, je pense. Ah, salaud. Alors, on pourrait aller par là. C'est qui lui? Ah, c'est un mec mort. Ça, c'est où ça? J'ai pas été ici, pas du tout. Nava. Oh, il y a un objet là, juste là, aller chercher. Facilement trouvable. En forceur, elle met. Pas bien. Mmh. Ça pue ce genre de... De marais là, dégueulasse là. Moi j'ai des souvenirs du Vietnam, hein. je viens de Dark Souls. Hein. Marais comme ça, généralement... Bon, on voit que l'infiltration va être très utile dans le jeu final parce que il y a des ennemis partout. Et comme je vous l'ai dit, c'est sûr que l'IA va être modifiée. Allez, dégage. Donc apparemment les Amras nous ont envahis, on n'est pas content. Cassez-vous. First Westgate, d'accord. Hein? Qui m'a vu?
Bonjour. Ok. Là, on peut sortir là, ok. Oh, voilà. Hein? Marrant ça. Il y avait pourtant le point rouge. C'est quoi ça? Qui es-tu? Qui me crache dessus là? Cette saloperie. Ok. Bonjour. Donnez-moi du mana, s'il vous plaît. Merci. Healing light, ah bah voilà. De soins. Ça, ça me plaît. Toi. C'est ça, c'est ça. Regarde quand même de consommer le soin. Ah, empoisonné. La barre qui, enfin la goutte qui descend, la barre de vie ça va, elle descend pas si vite que ça. Et où? Ah, par contre, le soin, ça a l'air de consommer beaucoup, beaucoup de mana. Est-ce que tu peux l'ouvrir? Oui. Yes. Hop là. Ok, 6 niveaux. De la strength 2. Éminence, c'est quoi? Ah, c'est la magie. De Tchak. Bonjour.
Là, j'ai tout fait apparemment. Il reste plus que les maisons du début. Dégage. Maisons là, je les ai pas fouillées. Antidote, d'accord. Et lui. Ok, j'ai vu où était la barre. Hein? Pourquoi mon sort ne s'est pas fait? Alors ça, ça peut chier des petits. Hein? J'ai pas compris. Voilà. Les petits ont l'air de me charger et d'exploser. On entend quelqu'un tousser. Qui tousse? Ah mais c'est moi parce que je suis empoisonné. D'accord. Bon, on sait où est le mention de toute façon. Ok, tac, 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 Attends. Hop. C'est là-bas. Allez là-bas. Et les démos, maintenant, il y a du contenu quand même dans une démo. Hein. Et puis les démos des années 90 où t'avais 5 secondes de gameplay. On rappellera que dans les années 90, une démo, c'était... une démo d'un jeu de course, c'était un circuit et une ou deux voitures. Ok, il y a des hommes poissons. Quoi de ces saloperies? Empoisonné, c'est pas très très grave. Le poison a pas l'air violent. Moi j'aime bien le fait que ton personnage tousse quand il est empoisonné. Merde, je me trompe de touche. Dégage. Il y a l'air d'avoir pas mal de raccourcis dans le jeu aussi. Ça c'est pas mal. Moi j'aime bien. Ok, pas mal d'antidotes qu'on n'utilise pas parce que le poison n'est pas violent, en tout cas pas dans cette démo. On rappelle, hein, encore plus d'un an de développement pour ce jeu. Donc soyez gentils avec lui.
le développement n'est absolument pas terminé. Ok. Bon, le boss doit être là, c'est ça? Allez, donne-moi de la vie. Ok. Ok, available in full game. On voit vraiment rien sans la lampe par contre. Hein. La lampe va être très très utile dans ce jeu. Je pense. Non. Merci. Désolé pour les baisses de framerate. On rappelle, le jeu est pas fini. Ça doit clairement jouer, hein. Ils sont pas à l'optimisation, je pense. Fort les hommes poissons, je les aime pas. Voilà, je peux pas grimper là. Merci. Encore un truc qui empoisonne. Ok. Ouais, une grotte à la con. Je vois rien, merci. Ah mais il a empoisonné ses potes. Baisse de framerate, injouable! C'est injouable! Je vois rien! Injouable! Pourquoi j'ai une baisse de framerate aussi violente? Je ne sais pas. C'est clairement injouable. Ils sont vraiment pas à l'optimisation. Waouh, vraiment injouable. Pourquoi j'ai... Ah mais ça peut s'empoisonner aussi ? Il y a peut-être trop de monde qui était empoisonné, il a eu du mal à calculer. Quoique on a toujours des framerates qui n'est pas très stable. Est-ce que le jeu est sorti trop tôt en démo, peut-être ? Il y a encore des limaces, là.
J'ai super bien shooté là, évidemment. Attendez, je vois rien. Je voudrais passer, merci. On voit tellement rien. Je me casse de cette caverne qui faisait laguer mon jeu. Je sais pas pourquoi la caverne faisait autant laguer le jeu. Ah yes. Une save. On n'a pas pu tout fouiller. Ah bah voilà, le boss. Très bien. C'est le boss ça. Il y a l'embrouillard. L'embrouillard, c'est forcément le boss. J'avais un nouveau helmet aussi. Un enforcé d'helmet. Il est moins bien. C'est le même mais en moins lourd. Mettons le. Oh oui. Ok, ça va être le boss. Ok. Ok. Ok, il fait de l'eau. Désolé pour les lags. Hein. Injouable, le boss est injouable. Injouable. Injouable à cause des lags. Clairement injouable. Le boss est injouable. Plus de soins, j'ai plus rien. Et le boss est trop injouable. J'appuie mais ça part pas. À cause des lags. Et là il lag plus. Donc je sais pas pourquoi il lag là ce boss. Un peu chiant. Que le boss. C'est un peu con que le boss lag. Alors ce qu'on peut faire. Il y aura un mode photo, très bien. Où sont les... Off. DLSS, ok. Alors. Où là. Medium, vas-y, repasse tout en medium. On va voir si ça va aider le motion blur, on va l'enlever. Voilà. Fly changes. Voilà. On va voir si le boss va être plus. Moins laggy. Ah oui.
C'est pas la même. C'est plus agréable, non? Il va y avoir une P2 ou pas? Connard. Merde. Ok, par contre, on a loupé l'ouverture parce que j'ai fait un sort au moment de l'ouverture. D'accord. Donc toutes les attaques cassent les ouvertures. Ok. Lâche plutôt. C'était pas le vent que je voulais faire. Je voulais faire le soin, j'ai fait le vent. Et le vent a l'air de bien marcher contre lui. C'est à noter. Ok. Cette épée qui te fait des dégâts, c'est chiant aussi. On va quand même le tuer, hein. Ok, donc faire du vent contre lui. Très bien, parce que le vent, ça l'a complètement stun. Hein, mais pourquoi elle a pas esquivé? Connard, sérieux. Hein, qu'est-ce qui se passe? Oh, mon perso fait pas ce que je lui dis. Ah. Ils ont un sacré tracking par contre les mobs. Vous savez que j'adore ça le tracking. Être agressif dans le jeu. Ça a l'air de quand même bien fonctionner l'agression. Ok. Ok, ouais. Donc l'agression, ça fonctionne plutôt bien.
Après, sur ce boss-là, encore une fois, là, l'IA est pas du tout développée, je pense. L'IA du boss va être modifiée, c'est sûr. Tous ces gifts, on sait pas trop à quoi ça sert. Et à tous les coups, c'est pour gagner des âmes. Vérifions cela. Use. 8. Ah bah voilà, c'est les âmes. Très bien. Est-ce qu'on pourra modifier son chat peut-être? The end. This is the end. T'as pas escape bien longtemps à mon avis. T'es mort quand même. Un pick-up. Alors. Pourquoi on me donne des trucs de retour par contre? Je ne sais pas. On va monter ici, très bien. Je n'ai pas pu prendre la fleur. Où est-ce que je suis? Oh! Ok. Veuillez m'excuser. Il est de retour! Sonnez le tocsin! Ok, alors, on va quand même essayer de finir la démo. Hein. Oh, j'ai pas vu ça. Will you accept challenge Rakeshar? C'est quoi? Il y a un autre bâtard qui tire. Toi t'es mort. Déjà. Très fort ce sort. C'est quoi en fait, c'est la fin de la démo, c'est ça? Ah, j'ai été stunlock, m'avait vidé ma barre.
Ok. Hey, mais il était mort quand il vient de taper dessus. Salaud. Ok. Ouais, ça doit être la fin de la démo, je pense. Démo d'une petite heure. Je ne sais pas combien de temps va durer le jeu. Search the tree house. C'est ici. Ça, on l'a fait. Truc du boss, là. Ouais, y a plus rien, là. C'est la fin du... C'est la fin de la démo, quoi. C'est la fin de la démo. Ah oui, c'est vraiment le noir complet, quoi. Ok, ok, bah le jeu a l'air... bah il est réactif. Les animations sont pas dégueu. Faudra voir ce que ça va donner quand ils vont le finir ce jeu. Bravo Astral Clock Studio, voilà. Est-ce we go live this July? Your generous donation help ensure, voilà. Donc voyez, voilà, il y a le petit Kickstarter si vous voulez.